Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 269 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Millie. Millie. Et c'est un jeu qui est en français et ça c'est cool. On va se mettre en mode facile. Option français. Bon bah y a pas d'autre option. Et puis on va y jouer, je ne le connais pas. Clairement, je ne le connais pas. Hop, je baisse un peu le son dans mon casque pour pas que ça soit trop gênant. Hop, et puis on va jouer. C'est un jeu, je crois, qui est sous forme de puzzle. Je veux pas dire de bêtises. Voilà, donc c'est plein de petits niveaux. Et je sais pas du tout en quoi ça consiste. J'espère qu'ils vont nous aider au début. Millie. Millie est un mille pattes. Voilà. Tout simplement. La musique est sympa. Il y a pas d'écrit pour l'instant. Hop. Millie. Elle part de chez ses parents, admettons. Et c'est parti. En quoi consiste Millie? Je suis une chenille. Un mille pattes? Une chenille, je sais pas, oui. Oui, une chenille. On mange. Ok, on a le droit de se déplacer comme ça. Est-ce que j'ai des pas maximum? Ok, donc je grossis à chaque point que je mange. C'est une sorte de snake. Ok, bah ça a l'air trop bien ce jeu, c'est une sorte de snake en fait. Je peux me déplacer et plus je mange des points, et plus je grossis. Voilà, elle mange, elle grossit. Elle mange des oranges, elle grossit encore plus. Donc le but, j'imagine, c'est de faire... Allez, on est parti. Le but, c'est de pas se toucher le derrière. Et voilà. Est-ce que j'ai eu mes trois pas? Mes trois petits pieds? Non, j'ai que deux pieds. Trois pieds. J'ai eu mon troisième pied. Ok. Donc voilà, c'est un jeu puzzle sous la forme du snake, mais en plus réflexion. Alors espace, ça me permet de faire. On voit qu'on la taille qu'elle va faire ma chenille. Ah non! Alors faut être rapide, hein, faut être rapide dans ces mouvements. Ok, on revient un poil en arrière. Et voilà, on est parti. Serial killer. Donc j'ai perdu une fois, mais j'ai mes trois étoiles quand même. Et bah voilà, mais c'est super bien ce jeu. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu un jeu comme ça. Alors ce genre d'endroit là, il faut y aller tout de suite avant qu'on puisse plus rentrer dedans. Tous ces endroits là où je suis en train d'aller. Oh, j'ai un petit ciseau là. Ok, ça, je me coupe la chenille quoi.
Ah, c'est trop bien. Je sais pas combien ça en enlève, mais ça en enlève. Hop là. Pour l'instant, c'est faisable. Pour l'instant, c'est pas dur. C'est pas trop dur. Mais c'est un univers de ouf. Il y a des ponts. Il y a des ponts. Bah, c'est bien. Tup 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 tup. Ouh, ça m'étonnerait que j'arrive du premier coup là. Il m'en manque certains, donc ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué là de. Je sais pas quoi ça sert le pied là. Ouais, là ça va être compliqué. J'ai que 10, j'en ai pas 3, j'ai pas une infinité de trucs pour revenir en arrière. Alors je vais utiliser un ciseau. Ben, c'est mal barré, les gens. Ah non. Ça aurait dû tourner avant. Yo. J'ai une queue qui est super longue. Allez, c'est reparti. On est des ouf. Allez, on continue. On continue, on est fou. Donc, on va essayer d'aller tout de suite aux endroits les plus compliqués. Allez, hop, 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 hop. L'univers est sympa quand même. Je sais pas à quoi ça sert les pieds. Je sais pas du tout. Il doit bien y avoir une utilité, mais je ne sais pas à quoi servent les pieds. Donc, est-ce que ça suffit, ça, quand ça fait ça? Ça suffit à sortir par le trou, en fait. T'es pas obligé d'avoir tous les points. Ah, on n'est pas obligé de tous les avoir. Mais certains... Ouais, faut en avoir quand même un paquet. Miam, 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 miam. Oh, miam, 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 miam. Oh, miam, 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 miam. Alors là, on n'a pas de ciseaux, hein. Non, celui-là. Yo. Alors le but ça va être de pouvoir ressortir d'ici. Le passage a été ouvert. Mais les pièges, je sais pas à quoi ils servent.
J'ai plus que 15 retours en arrière. Donc il y a quand même moyen de jouer un moment avant de perdre. Pathfinder. Trouveur de chemin. Est-ce que ça va se corser un petit peu? Alors. Contrôle, ça me permet de... Ah oui, de voir le terrain dans sa globalité. Et ça, c'est cool. Par contre, ça m'empêche d'avancer. Dès que je fais ça, il se passe plus rien. Oh, elle est déjà grosse, ma chenille. J'ai une grosse chenille. Ouh, je me suis mangé 3 points orange. Pas bien du tout, ça. Ouh. Bloqué. J'espère que ça va revenir assez en arrière pour pouvoir me permettre de pas perdre. Oui. Le jeu est intelligent. Donc je peux plus rentrer dans celui-là. On va quand j'en prends un qui est orange, ça descend de 5 ce qui me manque à avoir. Donc ça c'est bon à savoir, même si j'ai une chenille qui fait 3 km là. Et qu'il m'en manque encore 35. C'est mal barré, hein. Ouais, ça va être mal barré là, ça va être mal barré. Je suis niqué. Il m'en manque 11. Hop là, la chenille. Il m'en manque 13. Il y a moyen. Il y a moyen de les faire. Ah mais non, mais je pourrais jamais revenir sur le... Merde, mais non, je pourrais jamais revenir sur l'autre truc. Ah mais il y a celui-là. Ok. Et je pense qu'on doit perdre automatiquement dès qu'on peut plus avancer. Dès que ce sera pas possible, par exemple dans le creux là, je pourrais pas revenir. Donc du coup, ce serait dommage de pouvoir continuer si c'est déjà plus possible. Alors, contrôle. Regardez-moi ce terrain de ouf. Tip. Ça veut dire qu'à chaque palier de truc. Ok, donc là c'était pas possible. Hein. Voilà. Hop là. Allez, encore 55. On y arrivait. Encore 50. 50 petits trucs, 50 petits trucs. Tic. Miam. Ouh, ça allait être tendu là. Oui. Voilà, ça suffit. Et on en profite pour récupérer le petit chrono avant de finir le level. Et allez, on s'en fait encore un ou deux avant de finir ce test.
Mais je m'attendais à un jeu tout pourri, et puis en fait, quand vous y jouez, c'est toujours ça, de toute façon. J'avais lu une description du jeu qui me dis, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ça sentait le jeu moisi. Eh ben non, pas du tout, c'est trop trop bien, quoi. Faut jamais se fier, même à la description, faut pas s'y fier, quoi. Ouh, je me suis coupé la chenille, là. Haha, ça vous est jamais arrivé, vous coupez la chenille, hein? Je sais pas quoi ça peut servir le pied là. Je comprends pas. Yo yo. Ah bah voilà, c'est bon. Attendez, on va essayer d'en avoir plus. Non, ça sert à rien. Non, je pense pas que ça serve à quelque chose. Une fois que vous avez débloqué la sortie, il faut y aller directement. Allez, on s'en fait encore un. Ça fait 15 minutes qu'on est là. Alors, il y a des sens interdits. Wacom. Ça veut dire là, je peux pas y aller, là. Ah, ça, c'est un truc de bâtard. Et non, je peux pas passer par là. Voilà, il y a plus de pimpon. Et voilà. Allez, encore un petit dernier, mais on voit qu'il y a des trucs qui se rajoutent au fur et à mesure. Alors, il y a des murs qu'on peut péter ou pas? Ok, j'ai deux marteaux. Et c'est parti. Oh non. Oh, ça me permet de péter tous les murs pendant X secondes. Mais je trouve que le principe pour utiliser les bonus, c'est déjà... est déjà bien pensé. Ah non. Allez, on continue. Hop, on est reparti. Allez, il en reste plus beaucoup. On va y arriver. Ah non. Ah non, c'est beaucoup trop long. Ah merde, je suis beaucoup trop longue. J'ai la queue longue. Je devrais y arriver. Ah, il faut que j'ai récupéré encore l'autre. Oh oui. Allez, maintenant, faut juste que je fasse le tour. Sans perdre. On remonte. Et c'est parti. Et voilà, on a fini le level. Au total, est-ce que j'ai toutes mes étoiles? Oh oui. Non. Sélection de niveau, donc j'en ai fait quelques-uns, quand même. 912, c'est quoi ça? Voilà, on est sur le niveau 1. Et donc les pieds, voilà, je sais à quoi ça sert les pieds. Ça sert à débloquer l'ensemble des niveaux 2. Et là, actuellement, j'ai 22 pieds. Donc voilà. Donc il suffit juste de jouer pour obtenir des pieds, quoi. Rien d'extraordinaire. Donc c'était Millie.
Je savais plus du tout. Enfin, je pensais pas que c'était un jeu qui était comme ça. Et en fait, si. Franchement, faut pas suivre aux apparences. Le jeu avait l'air tout pourri avec les screens qu'il y avait sur pouvoir sur Steam, tout ça, la description. Et en fait, c'est un jeu qui a un principe de ouf, quoi. Voilà. Après, j'ai peut-être mal lu. Hein, je m'étais peut-être pas assez attardé sur le. Je suis pas allé voir des gameplays non plus. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, bah aimez. Si vous n'avez pas aimé, n'aimez pas. Dans tous les cas, commentez. Et puis abonnez-vous. Si vous le souhaitez. Et partagez. Si vous le souhaitez aussi. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo de Stage 1. Salut à vous!